Hola todos, c'est Yann Gall, on se retrouve pour la 7ème étape de cette Vuelta. Alors lors de la dernière étape, c'est Peter Sagan qui s'est imposé, Peter Sagan qui était dans une bonne forme, juste devant Matteo Trentino, enfin juste devant, il nous a mis une bonne boîte sur le final quand même, mais il était juste devant nous quand même, juste devant donc Matteo Trentino. Nasser Bouhanni a terminé 3ème devant Nizzolo, Valverde, Kwiatkowski, Frehley. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de gros sprinters aux avant-postes. On en a 4 ou 4 premières places et derrière, et bah c'est plutôt calme. Viviani d'ailleurs est lâché sur ce sprint, je sais pas où il a fini, mais il a pas fini dans les points et c'est déjà une bonne chose. Ce qui donne que bon, au général pas de changement, Simon Yates est toujours premier avec 43 petites secondes d'avance sur Dan Martin, également premier au classement de la montagne, et Sagan est désormais très très loin devant tous les autres. Je sais pas combien il y a de victoires d'étape, mais il doit en être à 2 au moins, Sagan, on va dire. On va vérifier ça vite fait. Alors, hop, on revient en arrière. Est-ce qu'on pouvait... Alors, là c'était Yates qui avait gagné. Ah bah non, il est pas à deux puisque j'ai quasiment tout gagné. De gain, c'est Sagan, non, c'est sa première victoire. Mais il a phagocyté les points en fait, hein, pour faire simple. Donc, tout va bien au niveau de la récupération, puisque Trentin finit dans les 5 premiers de l'étape, Yates conserve le maillot jaune, ça fait des petits bonus de plus, de tout va bien. Et en prime, on s'est pas fatigué sur la dernière étape, on ne se fatiguera sans doute pas beaucoup non plus sur l'étape du jour, puisque l'étape qui nous attend aujourd'hui, c'est encore une étape qui va être, on va dire... Allez, relativement gentil comparé à ce qu'on aura un petit peu plus loin, c'est l'étape entre Puerto Lumbreras et Pozo Alcon. Alors, encore une fois, je ne garantis pas l'accent, hein, comme d'habitude. L'étape est un peu escarpée. Alors, Blagnac-Rodez, c'est pas parfait parce que le début d'étape est pas vraiment escarpé, mais pour le reste, ça colle plutôt bien avec un final un petit peu compliqué. Ça peut le faire pour les sprinteurs s'ils résistent. Au final, un Sagan avec 78 en vallon peut complètement gagner cette étape. Ça va être plus compliqué pour un Trentin, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Et ben voilà, pas vraiment de... Je pense que... Enfin, on peut perdre du temps hein, quand même sur cette étape. On peut perdre du temps sur cette étape avec Simon Yates. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas. La prochaine étape, ce sera une journée de repos et ensuite... Enfin, la prochaine journée, pardon, sera une journée de repos. Et on est parti. Allez, vas-y, pour aller. Et c'est un Matteo Trentin en bonne forme qui nous attend aujourd'hui, donc on va essayer de faire un petit peu mieux que sur les derniers sprints. Sagan va être de toute façon intouchable, hein, ça y a pas trop de doute de ce côté-là. On va peut-être lancer quelqu'un dans l'échappée, on a une journée de repos derrière. Eh ben, Edmondson, écoute... Oh, attends, non, Hausson, carrément Hausson, il est au top de lui-même. Eh ben, on va essayer de partir avec Hausson, tiens, ce sera fait... Hop, alors ça nous a pas réussi avec Albazini, hein. Il y a deux étapes de partir au top de notre forme, mais on va quand même la tenter, vu qu'il y a une journée de repos derrière, je me permets, c'est vrai que j'avais plutôt dans l'idée de récupérer pas mal, mais on est à une journée de la journée de repos, c'est après que ça va vraiment s'énerver, etc, etc, je me dis que si on doit partir, ce serait plutôt maintenant, alors, est-ce que, ah putain, c'est De Gendt qui s'en va encore, c'est De Gendt, alors on va se mettre gentiment dans la roue, on va laisser bosser, peloton qui a pas l'air franchement d'avoir envie de laisser partir. Igor Anton qui part aussi, le maillot à poids. Oh, je me suis fait lâcher comme ça moi. Ok, le maillot à poids, c'est Baguès, c'est ça? C'est Rubio. Diego Rubio qui s'élance. Qui on a d'autres? Marcus Burgart. Alors Mas, je sais plus ce que c'est son prénom. Et Toy Nissen, je sais pas non plus. Il y a Lars Boom aussi qui est parti derrière. Peloton qui. Laisse pas vraiment partir pour l'instant, mais qui se débat pas trop non plus. Bien, ça va être une étape assez longue, surtout sur la fin d'étape, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc du coup, je pense qu'on va plutôt couper la vidéo ici, pour éventuellement se retrouver au niveau du sprint intermédiaire dans une bonne, bien 120 km quand même. Hein. C'est les 50 derniers kilomètres qui risquent d'être sympas sur cette étape, autant le faire maintenant. Et là, le peloton, ça devient n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. Ok, kilomètre 59, on est à 3 km du sprint intermédiaire, on est dans un groupe monstrueux, 19 coureurs partis à l'avant, mais pas beaucoup d'avance. Alors on va se replacer histoire de disputer entre guillemets le sprint intermédiaire, même si
Ça va pas être la spécialité Dawson, clairement. On essaiera de décrypter un peu qui est dans ce groupe. On a du Tish Bennett, on a du Mike Tennyson, on a du Stephen Cummings également dans les plutôt gros clients. Il n'y aura plus de points à prendre hein, pour le peloton, donc je repasserai pas sur. Omar Freyley est là également. Lars Boom. Alexis Goujard. Ah, c'est peut-être pas Alexis. Allez, on est parti. Ah, clairement. Oh là là, clairement, on va être loin. On va être loin. Oh là là, ouais, il y en a 2-3 qui sprintent dans l'eau là. Lars Boom qui nous a fumé. On reste au moins bien placé. Et il y a un écart qui s'est fait. Il y a un écart qui s'est fait avec le groupe Omar Freyley, qui est pas très loin non plus. Et le groupe Rubio avec Stephen Cummings et Igor Anton quand même qui sont là. Ça va me permettre de vous dire qui est là un petit peu en fait, tout simplement. Alors on a Cummings, Anton, Antonio Bagues, Marcus Burgard, Diego Rubio, Tish Bennett est là, Thomas De Gendt également, je l'avais oublié, Jorge Cubero, Luis Mas. À 5 secondes on a Oscar Cabedo, je sais plus ce que c'est son prénom, le Postelberger, ils sont revenus d'ailleurs sur nous et on vient de le perdre. Ah non, ils sont revenus devant, pardon, autant pour moi. Donc devant, on a Lastra, Goujard, Damien Hanson, Mike Tennyson, Lars Boom, Oscar Cabedo, Michael Morkov, je crois, Postelberger, Gabriel Bravo, je vérifie, Gary Coits, j'aurais pu le chercher longtemps celui-là, et Omar Freyley. Bon, après, les écarts sont minimes. Ah, quoi que, ils sont minimes. C'est peut-être un endroit où faire une petite attaque, parce qu'il ne doit pas y avoir que des spécialistes de la montagne là-dedans. Et que Hawson n'est pas trop mauvais d'après ce qu'il me semble me rappeler. C'est pas loin derrière, hein, cela dit, c'est pas très loin. On va forcer les deux copains à faire l'effort également. Hop, petite pause casse-croûte, toujours sur le gros plateau à fond. Allez, on va se préparer à relancer. Il va falloir lancer maintenant parce que sinon on va s'en avoir. Hop. Peut-être des points de la montagne à venir. Attention à Goujard derrière nous. Ils sont deux à suivre. On a mis 47 secondes au reste du groupe, c'est pas mal. Attention. Et on va peut-être réussir à mettre des points, dis donc. Hop là. Et oui, on met les points. On met les points et on a fait un petit écart. C'est Postelberger et Goujard qui nous ont suivis. On est plus que 3 en tête. Est-ce que ça va revenir? Peut-être, on verra. On va se quitter, on se retrouvera à quelques kilomètres du col de 3ème catégorie qui est un petit peu plus loin tout à l'heure. Ok, 5 km de du col suivant. Alors je vous dirai bien le nom, mais sauf que là je suis en descente et on va éviter de faire le con, surtout que ça descend quand même à 9%, c'est histoire que hein, on n'a pas envie d'entendre le. Attention Philippe le parapet. Donc on va essayer pour l'instant de récupérer tranquille et c'est pas mal ce qu'on fait en termes de récupération. On est 3 désormais devant Alexis Goujard. Alors du coup Postelberger, je vais quand même jeter un oeil à son nom parce que vu qu'on est plus que 3 je peux quand même faire l'effort. Donc là Bora Postelberger c'est Lucas Postelberger, Alexis Goujard et Damien Hanson. Donc 3 hommes en tête. Mon attaque dans le col précédent qu'on va donc nommer, attention c'est bon, tiens, update pour Rocket League. Hop. L'Alto de Castrilli, je sais pas, je suis pas sûr, a franchement fait des gros dégâts, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et on a mis une bonne minute 20 à tout le monde. Alors là il y a une contre-attaque derrière par contre avec le groupe de 16, le peloton qui est pas loin aussi hein. Le peloton qui est pas loin, De Gendt s'est fait lâcher. De Gendt s'est fait lâcher, lui qui avait été si fort il y a 2 étapes. Le groupe Rubio qui est en train de revenir, le groupe de 15. Pourquoi on est 15? Ah oui, 19, c'est ça, tout à fait. Hop, on va relancer un petit peu, sans trop de véhémence. Mais derrière, ça a l'air d'être en train de faire des efforts pour revenir. Un groupe Bennett à une 15, qui essaie de revenir sur nous. Ils avaient complètement lâché, et là, ils ont l'air d'avoir repris un peu d'espoir, j'imagine aux fruits de la descente. Il y en a qui vont se faire péter, j'ai l'impression. Attention, allez, il va falloir s'exciter un peu parce que là, j'ai l'impression que Postelberger, il serait pas contre nous chipper les points. Allez, c'est récupéré. Damien Hanson premier, Lucas Postelberger
deuxième. On est bien pour le maillot à poids du coup. Alors ça va descendre un tout petit peu, mais ça va pas non plus être la folie. On s'est mis un peu en sang sur cette descente, sur cette montée, pardon. Goujard qui a lâché. Postelberger qui est là. Non mais moi je roule pas, hein. Ça m'intéresse pas. Du coup on va rouler tranquille. S'il veut attendre Goujard, moi ça me dérange que moyennement. J'ai pas envie que le groupe Benot nous revienne dessus non plus quand même, hein. On va rouler un peu mais pas trop. Goujard devrait revenir. J'ai peut-être forcé un peu trop. Le groupe Freyley qui est en train de revenir, attention, avec Stephen Cummings Freyley, Gory Skates là, bravo, et Tish Benot. C'est clairement le groupe que j'ai pas envie de voir revenir. Le problème c'est qu'ils sont qu'à 30 secondes de Tish Benot. On va peut-être forcer un peu plus du coup. Derrière. Derrière ça commence à être un peu chaud. Peloton qui est qu'à 2 minutes 14, hein. Il est vraiment pas loin le peloton. Allez, on va. Alors, je peux pas accélérer plus que ça, ça serait n'importe quoi. Je suis pas sûr que cette échappée aille au bout, surtout si on a un groupe de poursuivants aussi vénère derrière. Et qui s'entendent bien, alors que moi j'ai un Lucas Postelberger qui roule plus du tout. Ils sont plus qu'à 35 secondes et Alexis Goujard est en train de se faire attraper. Voilà, il s'est fait attraper. Et ça continue de rouler fort derrière. Hein. On va se retrouver à 7. On va se retrouver à 7. D'où tire-t-il toute cette énergie? Je vous le demande. Allez hop. Un Postelberger qui en a rien à foutre. Il est là, moi je suis dans ta roue. Je vais pas faire un effort. Ah ils sont forts derrière. Ils sont forts. Le groupe Rubio lui est à 1 minute désormais. Tu roules à combien, espèce de branleur? 90? Bah putain. C'est ça ton 90? Allez, 24 secondes encore d'avance sur le groupe Cummings, dans lequel la G2 Alain Mondial Alexis Goujard se trouve désormais. On a du Tish Benot, on a 2-3 clients quand même dans ce groupe, c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de les voir revenir. Benot, Freyley, alors Gorillis, alors faudra que je revoie son nom hein, parce que lui c'était compliqué, mais bravo. Ils sont qu'à 21 secondes, hein. Ils sont en train de nous remonter. Ils sont en train de nous remonter assez tranquillement. Et à une minute, on voit l'autre groupe derrière qui n'est plus qu'à une minute. On est en train de se faire remonter absolument par tout le monde. Et c'est assez étrange parce que pour le coup, on se donne quand même dans l'histoire. Ils sont plus qu'à 18 secondes, c'est fou ça. Allez. J'en mets une, on va laisser passer Postelberger un petit peu. Qui nous fait un 90 qui sert un peu à rien. Et nous, on est limite dans le rouge. 19 secondes d'avance, est-ce que ça vaut le coup de se crever? On arrive sur un moment, ma passage un peu plus descendant, donc j'ai envie de dire, bah YOLO, mais on est à un gros rythme, et derrière, ça lâche pas. Le problème, c'est que nous, on a plus d'énergie dans l'histoire. On a plus d'énergie. Je vais couper, on se retrouvera au pied du col à 3. A priori, on va se faire rattraper, hein, de toute façon, par les mecs de derrière, donc on se retrouvera ouais, au pied du col à 3 pour le final de l'étape, à tout à l'heure. Ok, on est à 5 km du sommet, on va reprendre à partir de là. Clairement, on ne roule plus dans ce petit groupe. Tish Benot qui est bien placé, qui se repose, qui ne prend pas un relais depuis tout à l'heure. Alexis Goujard aussi a essayé de s'économiser. On s'est fait très facilement remonter, je pensais que mon attaque avait été fatidique. Que nenni. Alors on va prendre notre bleu tout de suite parce que de toute façon on avait cramé trop d'énergie avant. Donc autant attaquer à fond. Ça va pas être facile hein, de faire cette montée à fond. On est 7 en tête, le peloton qui ne pointe qu'à 1 minute 26. Ça risque de remonter très vite sur nous. On va attendre les passages qui montent un peu plus et on va sûrement mettre une petite je pense. Parce que là on est limite quand même, 2,8 km. Derrière ça redescend pas tout de suite, mon énergie est pas mal. Ça monte à combien? 6,8%. Allez, Benot qui est en train d'attaquer. On attendait pas moins de sa part. Hop, attention, on va attendre un peu. On va récupérer du rouge. On a 2 km, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait arriver à en mettre une. En tout cas c'est maintenant qu'on va tenter. Allez hop. Oh là là, oh là là, il est pas puissant. Il manque de puissance, le petit. On a lâché absolument personne. Ils sont tous dans notre roue, ils sont tous à fond. Et il y a un groupe Nibali qui est sorti. Tout le monde est en mode suivre les attaques.
Du coup, il ne devrait pas y avoir grand monde dans ce groupe-là. On va pas y toucher. Puisque Sagan est là également. Yetz et Aig sont là, très bien. Et ben, on va dire à Yetz carrément d'attaquer. Merde, j'ai dit à tout le monde d'attaquer. Pardon, on la refait. Hop, s'accrocher sans limite. On prend plus que Yetz. On va dire à Yetz donc d'attaquer à 11 km de l'arrivée, ça me semble honnête. Et on va tenter de faire quelque chose avec Hobson en parallèle. On n'est pas arrivé à décrocher ces braves gens. Il y a une petite montée sur la fin. Ça semble compliqué. Ça semble compliqué. Alors, dans le groupe Pinot, on a le maillot jaune. C'est ça qui compte. Ils sont pas loin derrière. Ils sont pas loin. Ils sont en train de remonter très très vite surtout. On est en train de bosser pour tout le monde. On en a lâché deux. On en a lâché deux. On va se mettre dans la route Cummings. Cummings, Frehley qui sont là. Allez, on les laisse prendre les points. Ça, on s'en fout un peu. Oh putain qu'on est léger en énergie. Ouais, on est très léger en énergie. On a beaucoup bossé pour tout le monde. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. On va arriver sur un passage qui descend un peu plus. Et Benoît qui arrive pas à remonter sur Cummings. Si, si, ça va être compliqué. 4 secondes d'écart, ouais, ça va. On va le laisser bosser. Nous, ça continue à descendre. Hein. Ça continue à descendre. Oh que ça va être dur. Ça va être dur de s'imposer dans cette étape. Le peloton qui pointe à une 30. Ça devrait le faire de ce côté-là. Enfin, le peloton. Le groupe maillot jaune, en tout cas, qui pointe à une 30. Yetz qui a pris son ravito de lui-même. C'est très surprenant. Ouais, garde ça pour plus tard. Et Jack Egg. Ah, je leur ai fait prendre leur ravito. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, les gars. Sérieusement, je sais pas du tout ce que j'ai fait. C'est sûrement moi qui l'ai fait, mais je sais pas comment je l'ai fait. Alors, on a donc un groupe de 4 devant avec Stephen Cummings, Stige Bennett, Damien Lawson et Omar Frehley. Inutile de vous dire qu'on n'est pas franchement favori pour le final. Gary Coitz, bravo, pointe à 40 secondes. Goujard est à 49. Le groupe Rubio à 55. Le groupe Rubio qui est sous la menace du peloton qui semble avoir lâché l'affaire pour la victoire d'étape. Ça va se jouer entre nous 4. Ça va se jouer entre nous 4 et moi je suis en mode laissez-moi mon énergie s'il vous plaît. La petite montée à la fin, elle va faire très mal et Hobson c'est pas franchement le favori. Ça va être compliqué. On est en train de sucer la route Tige Benoît de manière absolument honteuse. Ah j'ai des clients quand même là, Cummings, Frehley, même Benoît aussi franchement. Ça va être compliqué de les passer dans cet exercice. On va arriver sur un passage qui descend un peu plus. Allez, le groupe maillot jaune qui s'est reformé. On va dire à nos gars, tous sans exception, d'assurer un tempo à 100%, y compris le maillot jaune, on en a rien à foutre. Allez, là il faut qu'on récupère. On reste dans la route Tige Benoît. Derrière Sassi aussi, tout le monde est en train de récupérer. De toute façon, là, clairement, pour la petite montée finale. Attention, attention, attention à Stephen Cummings. Je me méfie de Stephen Cummings. Et Tige Benoît. Et de Marfrey. Ouais, je me méfie de tout le monde, en fait. Allez, Cummings qui est en train de rouler pour tout le monde. Oh, il va être chaud, ce final. Oh, il va être chaud. Je sais pas à quoi elle ressemble, la boss finale, mais... Enfin, je l'ai déjà faite, hein, pourtant. Je crois l'avoir faite. Je suis sûrement fait, de toute façon. J'ai sûrement fait. Non, j'ai pas envie de rouler pour vous, les gars. Ok, on va arriver. Allez. Hop. Ah, il est fort, Cummings. Il est fort. Mais on est pas mal non plus. On est pas mal non plus. Oh, Tige Benoît. Oh, Tige Benoît qui remonte. Ah non. Ah non, là, on va pas pouvoir. On va faire troisième. On va faire troisième de l'étape. Et c'est le mieux qu'on pourra faire. Et encore, si on passe Cummings... Cummings, que je pensais le plus fort, et ben c'est Omar Frehley qui s'impose. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est dur, c'est dur. On va passer sur Simon Yates, bien entendu, qui n'est qu'à une minute. Ah bah ben, il est arrivé. Il est en gros arrivé, donc du coup, on va bourriner. Hop. Ah, c'est dur. Je descends, hein, je descends. Deux fois ou trois fois premier, ensuite deux fois deuxième, la troisième. C'est le début de la fin, c'est le début de la fin. Bon, Simon Yates est resté dans le groupe maillot jaune, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est très bien. Tout le monde y était d'ailleurs, en ce qui nous concerne. Victoire d'Omar Frehley, qui aura bien joué le coup. C'était difficile, hein, avec Hobson même en grande forme face à ces trois-là. C'était les trois que je voulais pas voir revenir dans le groupe de derrière. C'est les trois qui sont parvenus à revenir.
Donc, pas de changement au maillot jaune. C'est toujours Simon Yates qui le garde sur les épaules. Ça commence à faire quelque chose en sixième étape. C'était la sixième étape. En jaune, ce sera la septième. Non, pardon. J'ai fait quoi, j'ai... Ouais, pardon. J'ai récupéré le maillot jaune lors de la deuxième étape. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. On en est à 5. Demain, ce sera la sixième. Il est dans une forme étincelante. Il a également le maillot à poids. Voici le maillot à poids. Il fait un bon, bon tour de front. Pardon. Excusez-moi. Il a le maillot rouge. Il a pas le maillot rouge. Il a le maillot rouge. Bien joué, Simon Yates. Toujours, il est toujours maillot à poids. Également. Allez, c'est fini, c'est tout ce qu'on a évidemment. Petite frustration hein, quand même sur le final de l'étape. J'ai trop suivi l'attaque de Cummings qui semblait le plus fort. Et en fait, bah, les plus forts étaient derrière, c'était Frehley et Tish Bennott. Et quand eux ont attaqué, malheureusement, j'ai pas été en mesure de suivre. Belle troisième place quand même pour Damien Lawson. Cummings qui finit à 8 secondes. De Ghent a réussi à s'extirper. Du groupe d'échappés pour finir à 46 secondes. Postelberger et Goujard, avec qui on s'est échappé hein, pendant un moment, sont à 50. Le peloton pointe à une 10. Ouais, le peloton est à une 10. Il a rejoint une partie des échappés. Seul Diego Rubio est resté devant. Et nous, avec le maillot jaune, on doit être placé quelque part. Ah bah attendez, 40e. 40e, on est à une 10 également. Mais on n'était pas loin de prendre un éclat. Parce que, alors on est 40e, et à partir de la 57e, non ça va, 57e c'était quand même relativement loin, mais tout le reste de l'équipe, ben, on a pris une petite quand même, hein, en étant à une 40. C'est pas bien grave, ça a pas changé la phase de la course a priori. Simon Yates, toujours premier, avec 43 secondes d'avance sur Martin et 52 sur Nibali, pointe à 1 minute 43 pardon, de Simon Yates, Pinot à 1.57, Quintana à 2.08, Turan à 2.57, 2.58 pour Mollema, 3.03 pour Kreuzweig et 3.35 pour Valverde, toujours premier du classement par points, l'ami, enfin non, par le panneau à poids, le maillot à poids du classement de la montagne, Simon Yates. Hawson qui fait son apparition, il doit être, tac, il est où? Il est même pas là. Il est loin quand même, Hawson, pour un mec qui vient d'arriver. Je l'ai raté. Il est 17ème. Il fait son apparition en 17ème position. Pas de changement majeur. À part que Omar Frehley monte en 2ème position du maillot à poids à force d'attaquer le garçon. Trentin est désormais 8ème puisque Tish Bennott aussi a pris des places. Et pour le reste, j'imagine que De Ghent, voilà, s'est mis bien au niveau de la combativité, récupération, elle est maximale pour tout le monde, ça c'est parfait. Donc, la prochaine étape, ce sera une étape plutôt réservée aux sprinteurs, mais avec un, comment dire, avec un profil un peu escarpé. C'est une étape qui est assez longue, elle fait 196 km. Il n'y a pas vraiment de boss sur la fin. Du coup, il y a des passages venteux qui pourraient être assez emmerdants. Il pourrait se passer des choses dans cette étape. Il y a une petite boss vers la fin qui pourrait quand même être emmerdante. Pour les sprinteurs, on verra ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouvera très vite donc pour cette étape entre Linares et Almaden. J'avais pas encore donné le nom. Voilà qui est fait. Ciao, ciao. Aïe, 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 aïe.